Alors que la tension est à son comble, dans la capitale arménienne, un policier a été tué ce samedi par un groupe d'opposants armés. Voilà deux semaines que des hommes sont retranchés dans un commissariat à Yerevan, réclamant la démission du président et la libération d'un leader de l'opposition. Les services de sécurité arméniens avaient lancé un ultimatum aux assaillants, leur demandant de se rendre en fin d'après-midi. C'est peu après cette échéance qu'un tireur embusqué a ouvert le feu et a abattu un policier qui se trouvait à quelques centaines de mètres dans sa voiture. La veille, les forces de l'ordre avaient déjà annoncé leur intention de lancer l'assaut après de violents affrontements lors d'une manifestation de soutien au groupe retranché. 73 personnes ont été blessées et 165 manifestants interpellés. L'UE et les États-Unis ont fait part de leur inquiétude.